Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. Vous avez pris l'habitude de ce rendez-vous tous les vendredis, une fois tous les 15 jours, et bien nouveau tuto cocktail. Aujourd'hui, je vous présente un cocktail qui est né en 1920 pendant la Prohibition à Détroit, l'Athletic Club, qui a été remis au goût du jour et bien dans les années 2000-2005 par Monsieur Murray Stenson et bien à Seattle. Alors pourquoi ce cocktail revient au goût du jour? Et bien parce que c'est la remise en avant de nos liqueurs digestives françaises au travers de la liqueur chartreuse, une liqueur formidable qui va donner une longueur en bouche à ce cocktail qui est assez magnifique. Pour les dosages, c'est assez simple pour ce cocktail, et bien 2 centilitres de chaque, 2 centilitres et bien de Luxardo, une liqueur de marasquin, 2 centilitres de chartreuse. Vous avez le choix entre la chartreuse verte, la chartreuse jaune chez vous qui voyez. Moi j'aime bien, il y a un petit peu plus de goût de plante dans la chartreuse verte et puis elle est un petit peu moins puissante en alcool. Le gin, alors le gin, ben, je n'en parle pas, ici il y a un classique, hein, vous avez déjà vu beaucoup de cocktails à base de gin, et bien le gin Tanqueray, je vous ai mis un petit rappel de ces belles épices qu'on peut trouver dedans. Le gin c'est toujours et bien un peu de coriandre, un peu d'angélique et puis bien sûr de la genièvre. J'ai rajouté un petit peu de citron parce que dans ce cocktail on va retrouver 2 centilitres de citron vert. Et puis et bien ce cocktail, et bien je vais le réaliser comme c'est un très vieux cocktail avec un shaker très très classique, très très ancien, en cristal en verre, vous allez voir, ça va vous faire une belle couleur tout de suite dans le shaker. Eh bien, c'est parti pour les dosages. Comme d'habitude, vous voyez un verre bien rafraîchi, je vais pouvoir vider la glace. Maintenant, je vais venir, comme il y a du citron vert, généreusement zester mon verre. En décoration, vous allez avoir du romarin. Eh bien, je viens aussi aromatiser mon verre au romarin. C'est un cocktail à base de plantes, donc il faut que ça sente un petit peu la plante. Et je vais commencer mes dosages. Dans mon shaker, ici, j'ai de la glace qui est bien givrée, donc je n'ai même pas besoin de les goûter. Pour les dosages, toujours très simple dans ce cocktail, 2 centilitres de chaque ingrédient. Je commence par ma liqueur de marasquin pour 2 centilitres. Deux centilitres de chartreuse verte. Deux centilitres de gin Tanqueray. Et puis, je viens terminer par 2 centilitres de jus de citron vert fraîchement pressé. Et il me reste à shaker. Et on a un shaker eh bien, qui a déjà une passoire. Mais on n'oublie pas la double filtration. On n'oublie pas la décoration, vous venez juste prendre eh bien, la branche de romarin qui vient tout juste du jardin. Et puis, ce qu'on dit tout le temps, le romarin, c'est magique, il y en a tout le temps dans le jardin. Et on vient terminer avec un petit zeste de citron vert. Et voilà, je suis très content de vous présenter ce cocktail classique, le Last Word. Vous allez voir, au nez, vous avez tous les arômes de la chartreuse, la puissance du gin, le jus de citron qui vient vous donner beaucoup d'équilibre. J'en souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous. Ce tuto vous a plu et organiser un atelier cocktail vous tente? Alors contactez-nous vite en nous envoyant un message. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne de la 25e heure. À bientôt!